Voilà, ce tambour, c'est un Foundé, 23 cm, en frêne. Je l'appelle Foundé parce qu'il me sert à jouer le heartbeat. Mais en même temps, si on le tend comme il faut, c'est un repeater. Donc, repeater quêté. Il a de très belles harmoniques, des harmoniques très métalliques. Ça, c'est plus le diamètre est large, plus le tambour a une longueur de résonance qui crée du sustain. Et dans le sustain, les harmoniques sont plus riches, voilà, ce qui va donner ce côté métallique. Donc le Foundé. Repeater. Donc voilà, je trouve que la balance entre le son grave et le son aigu est vraiment bien équilibrée sur ce tambour. Comme tous les tambours, plus on tend, plus il sonne aigu. Allez, je vais faire un petit tour de clé sur les quatre pieds. Il a déjà bien augmenté, on peut le tirer un peu plus. Voilà, et même en tirant plus sur les pieds, du coup, pour avoir une tonique qui est plus aiguë, on a encore un bon heartbeat. Donc là, sur celui-là, c'est vraiment les harmoniques qui sont intéressantes. Le fait qu'il ait du sustain. Je me suis aperçu aussi que sur les enregistrements, il est vraiment facile à enregistrer parce que ce sustain, cette longueur de note qui donne cette richesse en harmonique, va permettre de placer le volume du tambour beaucoup plus facilement dans le mix, dans le sens où il est riche. C'est un son qui est riche et assez long. Voilà, donc on a une longueur de note qui est assez importante. Après, la peau est neuve, donc en se tendant avec le temps, peut-être ça va en perdre un petit peu. Mais mieux vaut en avoir un peu trop que pas assez. Voilà. On pourrait tendre un peu plus. Après, au-delà d'une certaine tonalité, personnellement, je trouve que c'est moins joli. J'aime bien que le tambour chante, qu'il a un son qui chante. Là, on commence à être.